Aujourd'hui, on fait un tableau dans le studio. C'est un tableau pour un podcast. Je vous dis pas tout de suite c'est qui, mais avant de commencer, j'ai besoin d'un partenaire. Ou une partenaire? 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 Où es-tu? Allô? Ah, on a Cali Landry avec nous sur le nom de Calligraphie. Aujourd'hui, on est chanceux. On va avoir quelqu'un qui va nous aider à commencer le tableau. Est-ce que tu es prête? Ouais. Ouais. Et puis on commence ça? Let's go. Pour commencer, on a le pinceau. Puis du noir. Est-ce que tu peux faire l'honneur, Cali, de commencer? Super. Cali a beaucoup d'expérience, comme vous pouvez voir dans ces vidéos-là. Le tableau avec le pinceau, un petit peu avec ses mains aussi. Maintenant, il faut faire les contours. Fait qu'on va prendre le pinceau, on va le tremper comme ça, puis on va mettre la peinture noire tout autour de la toile. Ça, c'est du gesso noir. C'est fait pour mettre sur le fond des toiles. Avec le gesso noir, comme ça, on peut utiliser de l'huile ou l'acrylique, ou même la canette peinturée par-dessus. Oh non! Mathieu, Cali, pourquoi tu fais ça? Parce que je veux faire le vidéo. Tu veux montrer mes cheveux dépeignés au monde? Regardez comme c'est beau. Et drôle, hein, mon père? Ok, merci. Je vais allumer la caméra ici. Pendant que je fais ça pour avoir plus. Non! Je vais montrer les fesses. Je vais faire sûr qu'il n'y a aucun gesso black qui reste sur la toile. Et là, il faut que je la tourne de bord sans toucher la peinture. Tu me laisses la partie la plus difficile? Ouais. C'est pas la partie la plus difficile, c'est facile. Ok, mais c'est facile pour vous. Non, c'est pas. Ok. Bon, c'est facile? Ouais. Est-ce que c'est sèche, Cali? Ouais. On est prêt à mettre la peinture? On va commencer avec la peinture de fond, qui est la couleur comme ici, comme ici, comme ici. Tout ce qui est foncé. Moi et Cali, on va s'amuser à lancer la peinture sur le tableau, comme en splash, comme on voit ici. Est-ce que tu es prêt à lancer la peinture? Go! Next. Next. Ah! Bon, ça, c'est bon. C'est beau lui, je l'aime. Ok, mets-le de côté, on va peut-être l'utiliser pour tantôt. Là? Ouais, mets-le là. Ok, on fait qu'on a un bleu foncé, peut-être le bleu outre-mer. Maintenant, on a besoin peut-être du rouge, du rose foncé. Oui, ça c'est beau. On a un rouge. Du rose. Du rose foncé. Juste la part. Ouais, ça c'est fluo, ça c'est magenta, je crois que j'aime vraiment lui. Ok, on prend. J'ai bien trouvé, hein? Pourquoi on prendrait pas lui? Ouais. Puis on a tout de suite une couleur? Ouais. Ah ouais, ça c'est une couleur de fond. On a assez parlé là, c'est le temps qu'on peinture. T'as complètement raison. Fait qu'on fait un petit b-roll de notre peinture. Let's go! Let's go! C'est qu'est-ce que mon père a dit? High five!
Bye-bye.